fait qu'un couple de fieffés minables a pris le café du pauvre. On est et nous voilà contraints d'estimer ces gens-là, parce qu'un Minus de 5 à 7 chevauche une pauvre mazette qui resta froide, sortie du néant, un qui n'aurait pas dû. Ce n'est pas tout d'être mon père, il faut aussi me plaire. Être mon fils, ce n'est pas tout, il faut me plaire. Et tout trouver son père sympathique, c'est pas automatique. Avoir un fils qui nous agresse, ce n'est pas assuré. Quand on s'avise de venir sur terre, il faut se prémunir contre la tentation facile d'être un rejeton d'imbécile. Ne pas mettre au monde un connard, c'est mal commode et c'est un art que ne pratique pas souvent la majorité des vivants. Ce n'est pas tout d'être mon père, il faut aussi me plaire. Être mon fils, ce n'est pas tout, il faut me plaire et tout. Trouver son père sympathique, c'est pas automatique. Avoir un fils qui nous agresse, ce n'est pas assuré. L'enfant naturel, l'orphelin, est malheureux et je le plains. Mais du moins, il n'est pas tenu au respect d'un père inconnu. Jésus, lui, fut plus avisé, et plutôt que de s'exposer à prendre un crétin pour papa, il aima mieux n'en avoir pas. Ce n'est pas tout d'être mon père, il faut aussi me plaire. Être mon fils, ce n'est pas tout, il faut me plaire et tout. Trouver son père sympathique, c'est pas automatique. Avoir un fils qui nous agrée, ce n'est pas assuré. C'est pas un compte personnel que je règle. Mon paternel, brave vieux, me plaisait beaucoup, était tout à fait à mon goût. Quant à moi qui, malgré des tas de galipettes de fada, n'ai point engendré de petit, je n'ai pas pu faire d'abruti. Ce n'est pas tout d'être mon père, il faut aussi me plaire, être mon fils, ce n'est pas tout, il faut me plaire, et tout. Trouver son père sympathique, c'est pas automatique, automatique. Avoir un fils qui nous agresse, ce n'est pas assuré.